Nous avons également senti cette nécessité d'aller au niveau local pour nous rapprocher donc davantage des migrants, mais nous rapprocher également de leurs familles. Nous avons aussi mis en place un dispositif d'accompagnement de ces migrants dans l'élaboration de nos projets. C'est important. Le lien entre la migration et le développement est à établir parce que nous, on ne peut plus continuer à former nos politiques, nos programmes sans pour autant aborder cette approche migratoire dans une dynamique réelle de développement. Nous sommes à Turin, au centre de formation de l'Organisation internationale du travail. Le Sénégal y est aujourd'hui présent avec 10 représentants collaborant avec l'initiative conjointe pour la migration et le développement. Le thème de la rencontre, quel rôle jouent les autorités locales pour permettre aux migrants de contribuer au développement de leur région? So that we would invite an expert and all of you can then contribute and have your voice heard by everybody that would be playing. Au Sénégal, rares sont encore les autorités locales qui ont fait le choix de dialoguer avec leurs migrants. Mais pour les responsables sénégalais ici présents, travailler avec les migrants est une évidence. On peut dire que c'est les migrants quand même qui ont fait les premiers pas. Parce que comme je disais tout à l'heure, Turin étant une forte zone d'immigration, donc souvent au niveau de l'ARD, on recevait les migrants qui passaient, qui nous posaient des questions, qui demandaient sur les possibilités d'investir au niveau de la région de Djourbel, et souvent nous n'avions pas les réponses adéquates. Donc c'est ainsi que nous nous sommes aussi allés vers les autorités locales pour les sensibiliser, pour pouvoir mettre en place ce cadre de concertation entre autorités locales, agences régionales de développement, migrants et secteur privé. Au niveau de la mairie, nous avons instauré une politique de migration qui nous permettait vraiment d'être en contact direct avec nos migrants qui sont à l'extérieur. Pour rappel, en 2005, je me suis déplacé en Europe, à savoir plus précisément en France, pour aller rencontrer les migrants de la commune de Bounkini, afin de partager avec eux c'est les documents de planification. Je pense que ça a porté son fruit, parce qu'il y a des activités qui ont été cofinancés avec les associations d'immigrants qui sont basées en France au niveau de Bounkini. Je dois vous dire que nous avons été même surpris par rapport aux résultats atteints par le projet. L'engouement, c'est d'abord au niveau des collectivités locales qui insistent pour que les ressortissants, les migrants originaires de leur collectivité locale viennent vers nous. Ça, c'est important. Mais ils ont souhaité qu'on prenne en charge la question de la migration au niveau de ce cadre de concertation. Nous avons aussi les migrants en tant que tels. Aujourd'hui, tous les migrants qui viennent, qui rentrent au niveau de... Même s'ils viennent en vacances, s'ils posent leur valise le premier jour dans leur famille d'origine, le deuxième jour, c'est ils viennent voir l'ARD pour s'informer davantage, voir les possibilités d'investissement qui s'offrent à eux, les possibilités d'accompagnement, parce que l'ARD aussi, c'est ça son rôle, c'est accompagner les migrants à élaborer des projets de développement, à les orienter. Under the social development sector of the local development plan of our city. Réunis avec des autorités locales et des praticiens venus de plus de 10 pays, c'est l'occasion de partager les expériences innovantes et les structures offertes aux migrants au Sénégal. Nous avions développé au niveau de l'ARD une plateforme informatisée dénommée Home Health Office for Migrants. À partir de ce dispositif, il y a une base de données qui est adossée à ce dispositif pour nous permettre d'avoir des statistiques sur les migrants, de pouvoir orienter nos futures actions pour voir effectivement les zones d'accueil, de transit, mais aussi les régions dans lesquelles les migrants originaires de ces régions sont plus représentatifs. Alors que Djourbel, c'est une région de forte migration. Alors que ces investissements allaient plutôt vers des secteurs non productifs. C'est à partir de ce moment que nous sommes vraiment intéressés sur cette thématique de migration pour pouvoir faire les liens entre migration et développement local. Donc c'est là où est venue un peu l'idée de mettre en place ce projet et de créer des dispositifs comme les bureaux d'appui, les helpdesks, qui sont des bureaux logés au niveau des ARB. D'un dispositif humain, donc un réseau de business coach qui avait été formé et donc dont certains
sont issus de la diaspora, d'autres des experts tout simplement issus de la société civile, donc qui ont été formés pour justement accompagner les migrants porteurs de projets. Oui, on a pensé à aussi mettre en place un fonds d'appui qui n'est pas très consistant, mais quand même qui permet d'encourager les migrants à faire des réalisations pour eux non seulement, mais pour la commune, toute la communauté. En ce sens, le fonds d'appui vient en appuyant aux initiatives des migrants et aussi ce fonds d'appui peut aussi les permettre. On a également, entre autres outils, conçu ce qu'on appelle la feuille de route pour l'accompagnement des migrants porteurs de projets, des migrants entrepreneurs. Comme ont pu l'expliquer les participants, si le soutien aux initiatives économiques des migrants reste important, il s'agit avant tout d'inviter la diaspora à contribuer à la vie des territoires. Parce que ça ne sert à rien d'investir dans des créneaux qui ne sont pas porteurs et qui ne soient pas véritablement les priorités de développement de la région. Et c'est vrai également que le territoire local peine aujourd'hui, en tout cas dans certains cas, à démontrer aux migrants les réels services qu'ils peuvent offrir. Généralement, donc, ils se cloisonnent au niveau donc, du service financier. Et je considère qu'une culture locale n'a pas seulement que les ressources financières à offrir à la diaspora. On a énormément donc, de choses à valoriser pour un partenariat entre autorités locales et migration dans le cadre de la mise en œuvre du plan territorial. Merci. Et par rapport à ça également, nous visons l'aspect complémentarité. Nous pensons que donc, les interventions sur le territoire doivent à chaque fois être complémentaires avec ce que les autres font. Et dans le cadre de notre approche développement-migration, le triptyque que nous essayons un petit peu de développer sur le territoire, notamment la relation entre migration, développement et la citoyenneté, nous insistons surtout sur l'approche intégrée de la migration. La migration apparaît comme une thématique transversale à toutes les thématiques du développement local. Mais je pense que les migrants sont un pan important du développement local. Et il est important que nous puissions prendre en compte leurs préoccupations, mais aussi qu'ils puissent participer au développement local. Il y a un mécanisme par lequel nous informons la diaspora. Il s'agit de l'identification des personnes ressources reconnues par la diaspora même. C'est ce que nous appelons les points focaux home. C'est des personnes ressources qui ont une certaine connaissance du territoire d'accueil. Récemment en France, il y a deux TEPALA qui ont été organisés. Certains points focaux ont même quitté l'Espagne pour venir participer au TEPALA organisé en France. Under the social development sector of the local development plan of our city. Because of this integration, au bout d'une semaine, les participants sont tombés d'accord sur l'importance de l'implication des autorités locales, mais aussi sur le fait que trouver des partenaires avisés pour les accompagner est un gage de réussite. Il y a beaucoup d'organisations de migrants qui sont très bien structurées, même pas au niveau individuel, mais même au niveau organisation. Nous sommes aujourd'hui au stade d'organisation de migrants basée sur des activités professionnelles. Il y a des organisations de migrants, donc des associations d'entrepreneurs migrants. On ne peut pas parler d'informer à ce niveau-là. Je pense qu'il y a beaucoup plus. Mais la chance de ces TEPALA, ou bien la force de ces TEPALA, c'est qu'il y a un acteur important dans le dispositif. Il s'agit du GRDR. Le GRDR qui est une ONG de droit français, mais qui intervient au Sénégal depuis plus de 37 ans, mais qui a une expérience de plus de 60 ans dans le développement, dans la gestion des problématiques liées à la migration. Je pense que ça aussi, ça a facilité l'intégration, mais aussi la mise à disposition des informations pertinentes à notre diaspora. Secteur privé, grâce au secteur privé, nous avons pu développer dans le cadre de STEP, par exemple, et de Diapando, le FOSAP, le Forum Sénégalais des Affaires et du Partenariat. Je pense que c'est extrêmement important qu'on saurait réaliser sans une participation effective, sans une réelle implication du secteur privé. Une expérience positive qui va se partager donc dans l'intérêt des migrants, mais également avec de nouvelles collaborations au-delà des frontières. Au terme de cette session de formation de l'ICMD, nous avons eu à découvrir de nouveaux outils, des outils particulièrement intéressants qui sont utilisés dans d'autres localités du monde et qui certainement pourraient être expérimentés au Sénégal. L'expérience de la Philippine nous a beaucoup enchanté dans le domaine de la migration. Je pense qu'ils ont une expérience très importante
qui pouvait quand même servir notre commune et en général le Sénégal. Parce que je pense qu'au niveau de la Philippine, ils ont une migration très contrôlée et qui les évitait à des migrations clandestines. Et nous sommes à la recherche d'autres financements, d'autres partenaires pour que véritablement qu'on puisse financer ces projets de développement qui sont en souffrance au niveau de l'Agence régionale de développement, projets qui appartiennent aux migrants et qui veulent investir dans des projets porteurs au niveau de la région de Sidou pour réduire considérablement le taux de pauvreté au niveau de cette région.